ça va être stylé ça. Oh là là. Oh là là. Il faut pas me montrer ça, messieurs. Ça glisse, ça? Non, ça glisse pas. Hop. Mais c'est énorme. Allez, le béton juste en bas. Et voilà, monsieur. Bah ! Excellent. Eh, franchement, tu peux pas demander plus parfait. C'est excellent. Après, vous, bon, vous devez pas bien y voir parce que... Aïe. C'est... Je suis en hauteur, mais bon. En tout cas, moi, je me régale. Non. Ça, c'est pas bon. Ok, c'est bien. Bon, c'était beau, ça. Ah, il y a des trucs en béton, faire gaffe. Excellent. Non, monsieur. La petite barre pour s'adosser, c'est parfait. Ouh, c'était juste, hein. Bien ça. Et il pousse au meurtre, hein, ce machin. Hein. Oh, c'est plutôt parfait ça. Ça pousse au meurtre. Fou, c'était juste. C'est impeccable. Yes. Par contre là, je kiffe, hein. Petit comportement fort sympathique, hein. Ça a l'air de vouloir tourner comme ça en vie. C'est bien. Wow, c'était juste ça. Voilà. Aïe. J'ai peut-être le moteur débranché. Ça fait tout à fait le symptôme d'un moteur débranché. Mama, que t'es bon, Romain. Vas-y, on va aller voir vite fait les boss. Marche bien. Là, il y a une bosse, mais elle a pas l'air vraiment terrible, hein. Bon, on verra. Je l'ai vu tout à l'heure. Il y a plus un enchaînement qui m'intéresse là-bas. Il pleut plus là. J'ai plus besoin de la capuche. Ah si, il pleut un peu. Là, mais bon. Je vais tester celle-là. J'y crois pas trop sur cette bosse. Elle a l'air un peu bidon, peut-être même de l'autre sens, tu vois. Ouais, tu vois, je fais un vieux pointu pourri. Tu vois, elles sont pas... C'est pas des bosses franches. Là, il y a peut-être une bosse franche, là-bas, à la limite.
Vas-y, on va aller faire une par une, on va voir. Ah non, il n'y a rien qui décolle, t'es ouf. Là, pour passer... tu passes que dalle. Tu passes que dalle. Coucou. Tut tut, fils de pute. Eh ouais, mon vieux. C'est pour ça que je voulais un chat. Par contre, ouais, je m'en doutais. Je sais plus ce qu'il y avait derrière. Voilà. Voilà la rampe. Tut tut, fils de pute. Ouais, train avant qui est un peu mou. Très très bien. Aïe, mais Romain! Ça fait deux fois que je me rentre auto dedans, tu sais. Ouais, tiens. Tiens. T'as mal? Fuck. Ouais, je m'amuse 10 fois plus ici, hein. Là, il était nickel. Hein. Oh, c'est bon. Un truc en béton en bas, il fait peur. Ah, ta mère. Trop vite. Ah, j'ai eu en mode tranquille. Eh oui, monsieur. Ah, l'antenne. Quand il pleut, il y a toujours des... Alors, je préférais faire ça que de retomber sur la barre avec les triangles. Voyez-vous ? C'était un choix. Puis comme ça, j'ai récupéré mon antenne. Je l'ai vue. Coucou. Petite antenne. Bon, bah jusqu'à présent, c'est le top, là. Je me régale. C'est petit, c'est sûr, comme spot, mais... béton frais. Interdiction de rouler ou de marcher. Ouais. Où ça? Je vois pas. Il est pas frais, ce béton. Arrête ton mytho. Et voilà, en plein dessus, bon. Ah oui, c'était beau ça. Crooked. C'est un moteur débranché encore. Ouais, ça tape et ça me débranche le moteur. Il tourne très bien et puis pas qu'un peu, hein. Chaque fois c'est les trois fils, quoi. On fait avec ce qu'on a déjà. Ça me plaît. J'ai dit front flip pour voir, mais... Oui, monsieur. Alors même j'ai ralenti, j'ai... Oh, oh! Qu'est-ce qui t'arrive?
soit un parasitage, soit l'antenne qui a dû, vu qu'elle est plus sur son socle là. Je vais regarder mes fils moteurs, vite fait. Voir si ça se défait petit à petit ou si c'est le choc. Ah, fuck. En tout cas, bon, j'ai une 6S assez ancienne en plus, c'est pas une nouvelle que j'ai mis. Autonomie très raisonnable. Hein. Ouais, ça se fait petit à petit. Bon, vous voyez peut-être pas la cam, mais c'est bien mes pins qui sont desserrés. Je vais peut-être les mettre au-dessus, peut-être qu'elles seront moins soumises au choc. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, fil d'antenne, il est bien. On est pas trop mal. Ah. Bah oui, monsieur. Ça, c'est mauvais. Dès que tu retombes la plate, de toute façon. Je reste comme ça, je suis trop bien. Bah oui, monsieur. Je suis plus à l'aise dans un sens que dans l'autre. Non! Ça va. Je suis tombé sur le béton frais. Ah. Ça va. Un peu trop vite là. Putain, mais... Heureusement. Sérieux, je commence à fatiguer peut-être. L'herbe haute. Autonomie plus que raisonnable, hein. Ça burn, ça burn. Allez, cerveau. Accroche-toi le cerveau. Tiens, j'en ai encore dans le coffre. C'est cool ça. Bonne autonomie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est à cause du ratio ça. Poup poup. Ça lave bien les pneus l'herbe. On vient à souffle en rentrant. Oh. Et voilà, cut, je peux la ramener doucement. Bah, en même temps, je suis à la voiture, ouais, je crois que j'ai ma voiture là-bas. Bon, ben voilà, c'était le premier test avec l'Outcast. Ça filme 25 minutes, hein. Eh, 25 minutes, quand même. Bon, ben écoute, vraiment content, c'est vraiment les machines qui me manquaient dans les mains, un châssis court pour pouvoir s'amuser. Alors là, j'y suis allé plutôt light. Même si d'entrée de jeu, bon ben, je comptais aller au boss en fait. Et faire du skatepark, c'est pas ce que je préfère. Le montage de l'aileron a très bien tenu, je suis content. Ah, peut-être pas la barre anti-wheeling. Hein. Je regarderai à mettre des vis peut-être un peu plus longues, refaire un peu le filet parce qu'il était déjà abîmé. Même, pourquoi pas mettre des vis traversantes. Ça sera un peu long, mais bon. Enfin bon, bref, c'est pas trop mal. Et plutôt même très content de la machine, même des pneus, franchement tout est pas mal, tout est bien en fait, tout est lisse et bien fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, du test de l'Outcast 6S. On se retrouve très prochainement sur mes vidéos. Les Outcast 6S vous en trouvez chez RC Team, je crois Braise Modélisme, un peu partout, donc si vous cherchez les sites.
C'est une machine qui est en 6S, livrée avec la radiocommande, le moteur, le cerveau et compagnie. Voilà, maintenant ils en sont à la V5 parce que moi c'est une V4. A très bientôt, ciao.